chanson, c'est « You keep me hanging on », ce qui veut dire « Tu me fais marcher ». Kim Wilde, elle est là. Elle chante bien, elle est jolie, elle a du charme et elle parle un peu français. Je sais parler français. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire en français? Dis-moi quelque chose en français. À l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Ben voilà, c'est pas mal. Puisqu'on parle de Kim Wilde, qui est la présence internationale et anglo-saxonne sur ce plateau, quelques dates importantes. Nous aurons un rendez-vous exclusif, mais oui, j'ai beaucoup de chance, avec Clint Eastwood.
dans quelques mois. On ira le rencontrer là-bas dans sa mairie de Carmel, près de San Francisco. Et puis Jacqueline Bisset, que vous avez vue, elle sera la co-présentatrice de l'émission que nous réalisons le 14 février depuis le Sporting d'été de Monte-Carlo en présence du prince Rainier et de toute la famille princière à l'occasion de la dernière soirée et des résultats du Festival international de la télévision. Et puis Belmondo à la fin du mois. Et puis j'en passe, d'autres que j'ai oubliés, mais je vous les rappellerai. Maintenant, on va retrouver avec Kim Gérard Lenormand. Tu as vu Top Gun? Non. Non. Il y a une musique qui est formidable dans Top Gun. Oh, oui. Elle a inspiré beaucoup de compositeurs, y compris les Français. Le bleu des regrets, Gérard Lenormand. On a commencé par une grande chanson, la boucle est bouclée avec Piaf, toujours pour parler de la chanson française. On termine avec celui qui pourra dire à ses petits-enfants, j'ai enregistré une des cinq chansons du siècle, puisque la balade des gens heureux, souvenez-vous, avait été classée parmi les cinq plus grandes chansons du siècle, les chansons françaises. Alors Gérard Lenormand, à ce titre de gloire, il y tient et il a raison. Il chante le bleu des regrets. Il est là, Gérard Lenormand.